Non. Ok. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Si c'est pour vous la première fois de regarder mes vidéos, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à me poser des questions. Aujourd'hui, on se dirige vers le marché de dimanche. Le marché de dimanche, c'est le plus grand marché de l'Efrocha. Et le marché des dimanches fonctionne seulement que les dimanches. La majorité des gens qui vendent au marché des dimanches sont des gens qui ont des supermarchés, sont des gens qui vendent des choses, mais ils préfèrent vendre ça au marché des dimanches parce qu'au marché des dimanches, il y a vraiment tant de choses que tu peux trouver à un bon prix. Donc, je peux dire beaucoup de gens se retrouvent là-bas facilement dans le sens que si tu veux acheter les habits, si tu veux acheter à manger, si tu veux acheter les casseroles, tout ce que tu veux acheter, vraiment là-bas, tu peux tout facilement au lieu d'acheter ici et aller là-bas. Donc, beaucoup de gens préfèrent le marché des dimanches. Et aussi, au marché des dimanches, ben, on peut discuter les prix, hein? Par rapport au marché, par rapport au supermarché, parce que dans les supermarchés, quoi, dès que tu entres dans les supermarchés, tu vas trouver seulement un prix. Et dès que tu trouves le prix fixe, ça te sera vraiment difficile pour toi de négocier. Mais en plus, là, dès que tu négocies, si tu trouves des choses dans quoi, en grande quantité, tout ça. Donc, guys, si tu as les crochets, si tu commences à venir en Chypre une fois le mois, deux fois, quasiment, c'est bien de venir ici acheter assez beaucoup de choses à un bon prix. Oui, aussi la quantité, on regarde aussi la quantité. Ça aussi. So guys, vraiment, je vous laisse de regarder la vidéo au début jusqu'à la fin. Enjoy the video. I'm really sure that you're going to enjoy everything. So let's go. Thank you.
Thank you.
Merci d'avoir suivi ma vidéo pour vous constater avec moi. Il y a assez beaucoup de choses qu'on peut trouver au marché des Sundays, au marché des dimanches. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux, sur mes plateformes. Je serai disponible à vous pour à répondre à vos questions et consorts. Merci, retrouvons-nous à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao.